Bonjour mes internautes et bienvenue sur la chaîne de Crystal. Désolée, j'ai en train de faire des petits réglages. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, moi je vais vous tourner des vidéos. Voilà, parce que j'ai été chercher, donc en allant chercher un colis à la poste. Voilà, et bah j'ai demandé pour un autre colis qui n'était pas arrivé. Ça faisait un petit moment déjà d'une. Voilà, parce qu'à moi il aurait dû arriver entre le 1er et le 3 juin et il n'était pas arrivé. Donc je me suis un peu inquiétée, voilà, et j'ai demandé plusieurs fois, voilà, on m'a dit qu'il était pas. Et là pour une fois, voilà. Et donc je me suis retrouvée toute seule. Donc je vais porter deux gros colis toute seule. Moi je peux pas trop porter, vous voyez. Mais bref, c'est pas ça. Un haul Shein. Donc je vous sépare pas les trucs. Je mets tout dans une seule et même vidéo, voilà. Parce que vous me dites jamais en commentaire, je vous dis tout le temps de donner des messages en commentaire, voilà. Arrivé à la fin du compte, moi je sais pas si vous aimez, si vous aimez pas, si vous voulez voir séparé, si vous voulez voir en une seule et même vidéo. Donc voilà. Donc j'espère que ça va pour vous parce qu'avec cette chaleur, moi avec mes problèmes de santé, c'est. Comment vous dire ça, c'est très compliqué. Ah, il fait super chaud, j'en peux plus, je vais mourir de chaud. Je sors presque pas. Là c'était parce que j'étais obligée de sortir pour chercher des colis. Ensuite, ils viennent à mon domicile des colis, entre guillemets. Voilà. Et qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Et bah, c'est un haul Shein. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Je remercie à tous les tout le monde qui s'est abonné sur ma chaîne. Je vous remercie tous énormément. Voilà, j'aimerais qu'on soit encore plus nombreux sur ma chaîne. Voilà, comme ça au moins je pourrais faire encore plus de choses et vous montrer encore plus de choses. Voilà, donc voilà. Et donc, pour vous dire la vidéo Shein là, il y en aura encore des autres vidéos Shein qui vont arriver parce que vendredi. Enfin, vendredi ou samedi, je vais commander encore pour mon festival pour 200 € de vêtements. Voilà, là j'en ai eu pour 100 et quelques € de cette commande. Voilà, tout à l'heure, je vous mettrai tous les prix en barre d'infos et tout le bastring, voilà, pour chaque produit. Voilà. Vous allez voir, j'ai au moins 5 paires de chaussures que j'ai commandées. Je vous dis les amis, c'est plus possible. Bref, j'ai pas encore essayé puisque je viens juste de les recevoir, donc je les essayerai après et je vous ferai des vidéos et je vous dirai si c'est bien, si c'est pas bien, voilà. Si vous avez Instagram, je mettrai les photos sur Instagram, comme d'habitude. Donc c'est parti pour le haul Shein. Alors j'ai pris des baskets, parce qu'on va commencer par les chaussures. Donc ils sont arrivés comme ça. Donc j'ai pas essayé, je vais pas vous dire, voilà. Ils sont, vous voyez, c'est comme des genres de chaussures, en fait, vous mettez le pied dedans, en fait, j'avais pas remarqué que c'était ça, moi que j'ai acheté, mais voilà quoi. Donc écoutez, taille 37 parce que moi je prends que... Non, 38. Attendez, que je me bourre pas. Je sais pas où c'est marqué les tailles. Mais je crois que j'ai pris taille 38. Attendez, est-ce que c'est marqué là-dedans? Ouais, 38. Ça paraît petit pour du 38. Hein. Après, je sais pas, mais on verra bien quand j'essaierai, voilà. Non, je les renverrai. Donc j'ai pris une paire de noir et blanc. Voilà. Ouais, en plus j'ai bien écrit 38. Hein. Pour le sachet. Vous voyez? 38. Donc voilà pour la première paire. Donc c'est ça que là, je vais pas les jeter pour l'instant. Voilà. Jusqu'à temps que j'essaye. Donc ils sont basiques. Hein. C'est des noirs comme ça. Voilà. Imitation, vous voyez de quoi je parle, des Nike. Voilà, mais c'est vraiment imitation. Donc à se prendre quand on a 20. Donc si ça va pas. Alors, si vous me dites pas dans les commentaires, je le renvoie. Si vous me dites dans le commentaire que vous les voulez, si ça ne me va pas, et ben je vous le mettrai sur Vinted. Bref, je sais pas. Voilà. Donc ils seront au prix de 10 €. Si jamais ça ne me va pas, attention, n'allez pas commencer à les regarder tout de suite et dire oui, t'as dit que non. Voilà, donc là j'ai pris même en tout blanc. Voilà. En tout blanc et il me manque une paire que je sais pas où aller. Bref, j'ai escalé moi 53 paires. Donc vous voyez, c'est les mêmes en tout blanc. Voilà. Après, on verra bien que ça va me donner. Hein. Et là, si j'en essaye une, qu'elle me va, j'ai pas besoin d'essayer les autres parce que je me laisse tous ces mêmes tailles. Tout taille 38. Ah, vous voyez, c'est marqué encore taille 38. Hein. Donc là, c'est des toutes blanches que j'ai pris, voilà. Ah, moi, j'aimerais mieux que ça, c'est des toutes noires, mais bon. Elle n'est pas sur le site. Donc voilà, déjà pour la deuxième paire. Voilà. Ensuite, on va regarder cela. Voilà, il m'est arrivé comme ça, donc dans un état fracassant. Et ben voilà les rouges. C'est les rouges, c'est avec des lacets. Voilà, un des mes rouges. Vous voyez? Voilà les rouges. Je suis trop contente, franchement, elles sont trop belles. En fait, avec un M dessus marqué là. Voilà, vous voyez?
Nous, on verra bien. Mais j'ai tout pris en taille 38 parce que mon basket est taille 38 parce que moi, j'aime pas être tiré dans les... Un autre dans les baskets. Ouais. Après, c'est des chaussures sandales ou trucs comme ça. Là, ouais, j'aime bien avoir plus poil de ma taille, voilà, pour pas que mon pied glisse trop. Voilà, alors, voilà, vous avez vu les rouges. Je crois que j'ai pris une paire de ballerines. Alors, je sais pas du tout c'est quelle, si je ne vois pas. Non, c'est pas cela, voilà. Ça, c'est une autre paire encore que j'ai pris. Voilà, donc ça, il m'est sorti en mode basket alors que c'est pas vraiment ce mode-là que je voulais. Voilà, donc en fait, je suis un peu vénère. Voilà. Il se présente comme ça, vous voyez. Et moi, je pensais pas que c'était des baskets, en fait. Je pensais que c'était des... Ta voiture. Tu m'as dit n'importe quoi, c'est pas la voiture. C'est le cœur. Bon, bref, je sais plus, bref. Oui, j'ai oublié de... Oui, j'ai oublié de faire un truc, attendez. Je vais essayer de le faire tout de suite, désolé. C'est quoi cette photo ? Désolé, j'ai oublié de couper le son de la télévision. Donc, on disait que c'est des baskets comme ça, donc il y a un animal dessiné dessus, voilà. Pas mal, en rose comme d'avant, mais je les attendais pas en basket, je sais plus, bref. Donc, ça fait un bon moment que j'ai commandé ça, après je sais plus, vous voyez. Voilà, c'est pour ça que je voudrais que ça arrive très vite, comme ça je sais ce que j'ai commandé, je peux vous dire si c'est ou pas. Ça c'est encore du 38. Voilà. Donc, il y a des animaux, il y a des grosses fleurs. Pas mal, on va bien voir ce que ça va me donner. Pour le printemps, voilà, maintenant, 1, 2, 3, le printemps c'est passé, voilà, j'arrive même plus à vous parler tellement qu'il fait chaud. Ensuite, la dernière paire, donc c'est celle-là, les trucs. J'en ai vendu, non, j'en ai mis une sur une tête, mais je sais pas du tout ce que ça va me donner. Là, je crois que j'ai pris 37, je crois. Ouais, 37. Ah, parce que là, je sors comme ça, là, vous voyez, ballerine comme ça, là. Mais ça m'a l'air d'être grand. Hein. Ah, bref. J'espère que ça va m'aller. J'espère que j'aurai pas mal au pied ici, là. Ni ici, ni ici. Vous voyez? Voilà. Parce que si c'est trop serré d'ici, je ne sais pas. Donc, je le mettrai en vente sur Vinted si ça ne va pas. Voilà. Ou je les renvoie pour m'en racheter des autres paires. Voilà. Et voilà, quoi. Bon, ben... Il n'y avait que ça pour l'instant dans les chaussures. Je vous ai tout montré dans les chaussures, voilà. Bref, donc je vais mettre ça de côté. Voilà. Maintenant, on va passer au... Je sais pas quoi vous montrer, parce que j'ai pas mal de trucs à vous montrer là. Et que... Donc, je vais prendre tout là et je vais vous montrer. J'espère que c'est tout ce que j'ai reçu. Non, même pas, voilà. Il y en a encore là. Voilà, donc j'ai pris ça. Donc je vais vous montrer tout ce qui est truc créatif et tout ça pour le bullet journal et tout ça, si ça vous intéresse. Donc c'est un rouleau, vous voyez. Vous avez des petits ronds de couleurs. Prenez des couleurs que vous voulez, puis vous les collez, puis après vous écrivez un truc devant. Ou je sais pas, voilà. J'ai repris des... donc ça se voit qu'ils vendent par deux, voilà. Donc c'est un genre comme ça, là, que je vous ai montré. Là, je pourrais pas... Ah, si, là, ils sont là. Attendez, je vais vous les montrer, celle que j'ai acheté la dernière fois sur Shein. Donc, la dernière fois sur Shein, j'avais pris des comme ça, vous voyez. Et là, c'est des comme ça, vous voyez. Deux modèles différents. Mais bon, ça peut le faire pour ce que j'ai à faire. Voilà. Parce qu'en fait, moi, c'est juste pour faire, vous savez, dans les livres de colo. Voilà. Donc, bref, j'avais déjà ça. Ça, je sais pas du tout ce que c'est. C'est moi qui ai demandé un truc pareil. Je sais même plus, bref. Donc il y a un truc comme ça qui est arrivé. Je ne sais même pas ce que c'est. Voilà. Donc on va regarder. Color. Garde. Écoutez, je regarderai ce que c'est. Quand dès que je saurai ce que c'est, bah, je vous montrerai dans une autre vidéo. Donc c'est des. Ça se présente comme ça. Donc c'est tout un lot de papillons. Autocollant, je pense. Voilà. Donc je ne sais pas. Voilà. Donc c'est bien dommage parce que pour ce prix-là, j'aurais pu commander. C'est même pas écrit en français. Vous voyez, c'est écrit tout en Madine. Voilà. Madine China ou je sais pas quoi. Voilà. Donc pour trouver. Normalement, ça doit être des autocollants quand même. Voilà. Donc c'est dommage qu'il n'y avait pas d'autres. Donc j'essaierai la prochaine fois de regarder. Voilà. Et de. 1, 2, 3. J'arrive pas à voir. Voilà. Et de prendre d'autres couleurs. Voilà. Moi, ce que j'aime bien, c'est le orange, vous voyez, pas le orange qui tire vers le rouge, le orange-range, le jaune, là, du rose, vous voyez, je prendrai un peu toutes ces couleurs-là, voilà.
Il y en a, je sais pas combien il y en a. Il y en a 2 et le 4, 5, 6, 7, 8, il y en a 10. Voilà. Donc il y a ça. Ensuite, dans le créatif, il y a encore des. Alors désolé, j'ai pas eu le temps d'ouvrir avant et de vous faire voilà, les trucs. Hein. Alors c'est emballé dans un emballage, encore. Alors désolé de vous dire ça, mais moi ça me saoule. L'emballage sur emballage, non, ça me saoule, voilà. Bref. Donc, bref, on va garder ça comme ça parce que j'ai pas de la mienne. Donc là, vous avez du rose et du violet. Vous voyez des couleurs très claires. Voilà. Excusez-moi si je vous montre. Voilà. Donc c'est comme le de tout à l'heure. Voilà. C'est juste des pastilles. Là, vous collez ça. Voilà. Comme cela là, que je vous ai montré. Voilà. Ensuite, donc j'ai ça qui est bien dommage parce que j'ai reçu qu'un seul. Vous voyez. Voilà. Alors je vais me recommander la prochaine fois. Voilà. C'est bien dommage parce que j'ai reçu que ça. Voilà. Ouais, donc c'est ça qui est chiant. En fait, moi je crois quand ils montent beaucoup de trucs, donc moi je me dis, bah on doit avoir un truc de chaque couleur pour le prix là. Bah non, on n'a pas. Donc je suis un peu dégoûtée parce que franchement, un tout petit truc derrière, tout comme ça là, on paye, je sais même pas combien de milliers d'euros, bref. Voilà. Ah non, ils disent pas les quantités, ils disent pas combien il y en a dedans, donc voilà. Enfin bref, après. Oh. Après, donc j'ai ça, je sais même pas ce que c'est. Je vous le montre. Je sais pas ce que c'est, je crois que ça doit être un bloc. Attendez, je vais vous dire ce que c'est tout de suite et je vais l'ouvrir devant vous pour regarder avec vous ce que c'est. Voilà. Mais je pense qu'avec mon ventilateur qui est. Donc je pense que c'est des trucs autocollants en fait. C'est juste des trucs comme ça autocollants. Des paysages autocollants. Voilà, c'est juste ça en fait. Voilà. Et il y en a, vous en avez plusieurs dessins. Donc je pense que je vais bien kiffer. Voilà. Moi, dans mon bullet journal, ce sera très bien. Voilà. Donc, vous avez des comme ça. Des comme ça. Des comme ça. Des comme ça. Je sais pas si je vous le montre bien, mais bon. Voilà. Donc, c'est que des trucs comme ça, en fait. Voilà. Et ça doit être autocollant. Parce que j'avais vu ça sur une vidéo de quelqu'un. Et je me suis dit, tiens, j'aimerais bien essayer tout ça. Moi, ce que j'aurais mieux préféré, c'est avoir des comme ça, mais sur le thème de Vincent Van Gogh. Bref, donc voilà, je sais ce que c'est. Voilà, et il y en a, je sais pas combien dedans. Peut-être. Là, il y en a un qui est abîmé, évidemment. C'est lui qui me les abîme. Donc, je vais le mettre là. En plein milieu des autres, comme ça, peut-être, ça va se remettre. Droit, voilà. Je sais pas, parce que le packaging était un peu abîmé, voilà. Et ça, je suis sûr qu'il rembourse pas. Évidemment. Je sais plus c'était quoi qui remboursait pas déjà la dernière fois. Ah, c'était Boudre qui rembourse pas la dernière fois, voilà. Bon, bref, donc on a eu ça. Voilà. Ensuite, ça, je sais pas du tout ce que c'est, donc ça, je vais l'ouvrir avec vous pour voir ce que c'est. Ça, si vous connaissez et vous savez que j'aime tous les trucs de Vincent Van Gogh, donc nous allons voir tout de suite ce que c'est. Voilà. Ah bah voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure que j'aurais bien aimé avoir et que j'ai eu, voilà. Donc en fait c'est que des petites autocollantes des tableaux de Vincent Van Gogh. Non, je crois que c'est ça si je me trompe pas. Ouais, et mon préféré, vous savez c'est lequel? Tableau de Vincent Van Gogh, le meilleur, c'est la chambre de Vincent Van Gogh. Pour moi c'est ça le meilleur. Bon là il y a le ventilo, donc je vais pas trop vous montrer, mais je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Voilà. Donc il y a ça, voilà, on va bientôt arriver à la fin de mon... Donc je vous ai montré ces deux petites choses-là, voilà. Donc c'est toujours des autocollants aussi, voilà. C'est trop bien ça, ces trucs de Vincent Van Gogh en fait. Parce que j'avais prévu de me faire un carnet, je sais pas si je l'ai... Non, je crois pas que je l'ai fait. Ah ouais, je sais plus, un carnet sur Vincent Van Gogh, voilà. Et donc je voulais... voilà. Ça maintenant, là, je vais vous montrer ça qui est arrivé défoncé. Aussi, donc c'est génial, le truc il arrive défoncé, le truc si on est marre, arrête d'avoir mes articles défoncés. Vous voyez comment il est arrivé défoncé? Il est tout plié. Donc j'espère que ça va pas alterner un truc, voilà. Et puis c'est que des stickers cœur, voilà, comme ça. Je pense qu'on peut écrire dessus, je pense.
Je suis pas tout à fait sûre parce que vu la matière, voilà. Patron, je suis en train de vous le montrer sans vous le montrer en fait. Voilà, donc c'est que ça. Voilà, un gros rouleau comme ça. Voilà, moi je pensais pas que ça allait arriver aussi gros que ça. Donc voilà ce que je m'étais commandé. Ensuite. Ah non! Je faisais une erreur, excusez-moi. J'ai encore pas mal d'articles à vous. J'ai encore quelques articles à vous montrer, pardon. Ah mais alors moi ça va plus du tout chez moi. Je pensais que j'avais encore un article à vous montrer, mais j'en ai encore un tout petit peu à vous montrer encore. Donc après je ferai une vidéo aussi la prochaine fois. Excusez-moi. Sur les vêtements pour enfants. Bon mais c'est pour enfants, mais bon on va dire adulte. Hein. Parce que la taille qu'il fait, mon fils s'est fait du taille L. Et j'ai déjà commandé des trucs sur Shein taille L, ça lui va impeccable. Donc là je vais recommander. Enfin, il va choisir lui-même ses propres vêtements. Mais je vais pas l'entendre aller après. Pour vous dire, voilà. Parce que j'ai pas passé ma vie à l'entendre aller. Ouais, ça j'aime pas. Gagagagaga. Vous savez comment sont les jeunes de maintenant. Hein. Donc voilà. Bon bref, revenons à notre histoire de. Attendez, comment ça s'ouvre? Ça s'ouvre juste comme ça, voilà. Donc, c'est un miroir. Voilà. Un tout petit miroir. Donc c'est ça aussi, voilà. Et je me suis pris un lot de peignes. Et là je viens de voir que j'ai encore un autre truc que j'ai oublié de vous montrer. Parce qu'il est en dessous, voilà. Donc là j'ai un lot de peignes. Vous voyez, il y a le gros, après il y a celui-là, après il y a celui-là, après il y a celui-là, il y a toutes les tailles. Donc je vais voir. Voilà. Parce qu'en fait ils sont pas... Enfin c'est comme j'ai commandé la fois deux brosses sur Shein. Non, la taille de... La taille est trop petite. Voilà, moi ce que j'aime bien c'est qu'elles sont assez larges, vous voyez. Les picots, enfin le carré où il y a les picots, voilà. Donc non, ça ne me plaît pas. Ça, c'est pas. Ouais, il y a peut-être le grand du milieu qui va peut-être me plaire, celui-là d'à côté. Vous voyez là, celui-là il va peut-être me plaire, celui-là là. Après il y a celui-là aussi qui va peut-être me plaire aussi, voilà. Peut-être celui-là, mais alors celui-là, je ne vois pas qu'est-ce que je vais en faire. Hein. Entre guillemets, voilà. J'ai bien aimé les couleurs. C'était du vert que moi j'ai bien aimé, voilà. Et j'ai retrouvé encore des articles, pardon, que je ne vous ai pas montré. Donc, vous avez un lot de washi tape comme ça, voilà. Je pourrais pas vous dire parce que franchement... Ah si, c'est de 0,5 cm, le deuxième c'est de 0,8 cm, et un autre c'est 1,5 cm, et l'autre c'est 3 mètres. Voilà, parce qu'il y en a différents. Voilà, donc c'est que du bleu en fait. Voilà, vous voyez, j'avais oublié de vous montrer des trucs. Maintenant, celui-là, j'ai voulu, 1, 2, 3, de vous le montrer aussi. Donc je vais vous le montrer tout de suite, parce que je sais même plus ce que j'avais commandé, vu que ça fait un bon moment. Vous voyez, parce que là, ça devait arriver le 3 juin. Entre le 1er et le 3 juin. Et malheureusement, c'est arrivé bien plus tard. Donc malheureusement, la galère. Bref, moi, je découpe n'importe comment. Non, que je casse pas tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ça qui est important. Voilà. Je sais pas du tout ce que c'est que ça. Moi j'ai commandé ça moi. Je sais même plus. Attendez, on va l'ouvrir parce que. Non mais c'est abusé. Il y a emballage sur emballage sur emballage. Pour vous dire la vérité. Premier emballage. Deuxième emballage. Et il y a un troisième emballage encore. Non, dites-moi si c'est pas abusé ça par là. Donc là, je crois que c'est des stickers autocollants papillon comme ça. Ah oui, donc là, je trouve ça merveilleux, ça, franchement, voilà. Mais bon, après, ils ont mis que du bleu, donc la prochaine fois, j'essaierai de voir si je peux pas en trouver d'autres couleurs. Et m'en prendre d'autres différentes couleurs, donc voilà, du rose, du jaune, du orange. Ah, c'est les seules couleurs que je veux, peut-être encore du rouge et encore. Là, tout dépend du prix, voilà, j'en prendrai plus tard la prochaine fois. Voilà, non mais c'est abusé. Hein. Mettre 3 packaging pour que dalle, en fait. Voilà. Bah, je crois, non. Attendez, cette fois-ci, je vérifie bien avant de vous montrer le dernier article que j'ai à vous montrer. Non, c'est tout. Voilà. Donc, je vous montre. Donc, je vais le découvrir en même temps que vous. Donc, j'ai pris un sac à dos comme ça, donc qui se présente, vous savez, avec les poignées comme ça, là. Avec les poignets, oui, voilà, comme ça. Voilà. Avec les poignets, tac, 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 tac. Bon, bref, ça, c'est le truc, voilà, vous connaissez. Donc, j'avais trouvé archi beau.
Toi, t'as vu, voilà. Il est toujours archi beau. Voilà. Donc, je voulais me commander le même en noir. Le même en noir. Voilà, évidemment, la fermeture éclair, elle est pétée. Non, ou c'est moi qui ai fait une erreur? D'accord, ok, il faut aller mollo avec la fermeture éclair. Voilà. Donc on va voir comment il est à l'intérieur. Voilà, donc l'intérieur se forme comme ça, ouais. Donc voilà, l'intérieur, je vais vous montrer l'intérieur comme ça, vous voyez, à l'intérieur, vous avez encore des poches à l'intérieur. Voilà. Donc normalement, ils disent que c'est un sac pour mettre les... Ta grand-mère, merci à toi. Pardon, excusez-moi, là je dis n'importe quoi, parce que je suis un peu... Voilà. Bref, et il disait que... Parce que vous savez, c'est pour mettre du bébé, vous savez, les couches, les lingettes, les machins, et ceci, ça va, un sac à longer, on va dire, ça va. Et moi, je vais pas m'en servir comme sac à longer, moi, je vais m'en servir plutôt comme sac à dos. Partir en vacances. Ça sera très bien. Bon, après, la fermeture éclair, elle est pas, ils sont pas top de ouf, le truc. Là, je pensais que ça allait être un truc plus qualitatif que ça. Voilà, malheureusement, non. Mais c'est pas grave, mais en tout cas, je le trouve super beau. En tout cas, je le trouve magnifique. Voilà, il est super beau. Donc, on peut faire sac à dos. Là, si on met les lanières et tout ça, on peut faire sac à dos. Ou sinon, on peut faire sac à main. Aussi. Voilà. Et c'était tout le dernier, 1, 2, 3, le dernier article que j'avais à vous montrer. Voilà. Donc, j'espère que ma petite vidéo Chine vous aura plu. Voilà. Maintenant, elle aurait dû arriver bien plus tôt que ça, ma vidéo Chine. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous dire à très très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne de Crystal. Prenez soin de vous et de vos proches en ces beaux jours, en ces belles chaleurs. Bah restez bien chez vous parce que surtout avec cette chaleur-là, il va faire de plus en plus chaud. Voilà. Donc, je dis ça pour votre bien à vous. Voilà. Parce que j'adore mes abonnés qui me suivent. Voilà. J'espère qu'il y en a encore plein d'autres qui vont venir s'abonner très très vite sur ma chaîne. Donc voilà, je vous remercie à tous de m'avoir de me suivre. Voilà, et je vous dis à très très vite. Donc prenez soin de vous et de vos proches, des gens que vous aimez. Voilà, parce que en ces temps très difficiles, moi je sais que là j'ai perdu un proche et j'ai perdu encore là hier. J'ai entendu parler qu'il y a quelqu'un encore qui était décédé encore. Voilà, donc ça fait deux personnes en l'espace de même pas. Ben, en fait, je l'ai su la deuxième personne un peu plus tard. Mais elle est décédée, ça fait déjà un petit moment, voilà. Comment vous dire ça, mois de mai, j'ai perdu, j'ai enterré quelqu'un le 11 mai, ou le 10 mai, bref, je sais plus. Voilà, et le 28 mai, il y a quelqu'un qui est décédé. Donc, voilà, sur ce, je vous laisse, les amis. Voilà, et je vous dis à très très vite sur la chaîne de Crystal.